Nous te louons, nous t'adorons. Merci pour tout. Et surtout, merci pour ta présence parmi nous ce matin. Selon ta parole, là où deux, trois sont réunis à ton nom, tu es là au milieu d'eux. Tu accueilles présence à eux dans ton monde. Nous accueillons ta présence parmi nous. Et toi qui es là. Nous te laissons la place. Sois là. Prends ton chemin. Fais tout ce que tu as prédestiné à faire aujourd'hui. Et nous gérons de rendre toute la gloire à toi seul. Tokati seleka kozongi selaka kayo lokumu. Merci d'avance pour la guérison. Merci d'avance pour la délivrance. Merci d'avance pour la transformation. À travers de ta parole. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Encore soyez le bienvenu dans sa présence. Et parce que sa présence est là, tu ne vas pas sortir comme tu as entré ici ce matin. Au nom de Jésus Christ. Romains chapitre 1, parce que notre temps est déjà passé. Je suis inné de retard. Alléluia. Romains chapitre 1. Va lire à partir de verset 16, 17. Romains 1, verset 16, version Darby. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. Verset 17. Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra de foi. Alléluia. Depuis certain temps, à l'école de guérison, on est en train de parler sur la foi. Parce que un des facteurs principaux pour la guérison, c'est la foi. Voilà pourquoi nous parlons sur ce sujet, parce que c'est très très important. À travers de l'écriture de la parole de Dieu, tu vas trouver Jésus répète tout le temps sans cesse: ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, qu'il te soit fait selon tu as cru. C'est-à-dire la foi à sa place dans notre marche chrétienne. So, la foi est très très importante et c'est obligatoire pour un enfant de Dieu de savoir qu'est-ce que la foi. Kolandisa mama komi okomona bisika nyoso Yesu masia bato babiki azolo bakaka kondima na yo nde bikisiyo kondima na yo nde saleli boyi esengeli toye ba esika ya kondima pwete kondima esali na botu ya mingi. Alléluia. Amen, amen. Ici, passé 16, passion Darby, il dit ceci. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Écoute, c'est la puissance de Dieu. D'abord, l'évangile, qui est la parole de Dieu, c'est la puissance. Voilà, quand on prêche l'évangile, là on prêche vrai évangile de Dieu, de Jésus-Christ, la puissance de Dieu est là pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Et je te garantis ce matin, sa puissance est ici. Amen. Dis amen à haute voix. Donne-moi un grand amen. Amen.
l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Par laquelle il sauve combien de personnes? Tous ceux qui croient. La foi encore. La foi encore. Par laquelle il sauve tous ceux qui malgré que l'évangile c'est la puissance de Dieu, mais cette puissance va agir seulement dans la vie de ceux qui. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. La foi encore. Alléluia. La foi encore. Et je crois que dans notre enseignement dernièrement, parce que ça c'est le corps de guérison, on a parlé sur la définition de la foi. Mais je préfère la définition de Vasion Darby. La foi c'est la conviction. En bref, la foi c'est la conviction. Un point, un trait. Qu'est-ce que nous devons faire alors? Si la foi c'est la conviction, c'est-à-dire Jésus est en train de dire qu'il te soit fait selon ta conviction. Femme, tu es sauvé, tu es guéri par ta conviction. Alléluia. Amen. Qu'il te soit fait selon, tu es convaincu. So, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir, entrer dans la parole, avoir la révélation qui va nous convaincre. Dès que tu es convaincu de ta guérison, automatique, la guérison va apparaître. Beaucoup d'entre eux ont compliqué cette histoire, c'est le sujet de la foi. Ils donnent trop de définitions théologiques. Confusent les gens. La foi, c'est souvent la conviction. Dès que tu es convaincu de quelque chose dans ton cœur, ça va s'accomplir. Et c'est quoi qui va te donner cette conviction? C'est sa parole. Il est sa parole est lui-même. Et il confirme sa parole avec des signes et des prodiges. Dès que tu es convaincu dans l'intégrité de Dieu, quelque chose va se faire. Tu sais que Dieu ne peut pas mentir. Il fait ce qu'il dit. Voilà pourquoi les écritures sont là. Pour que c'est pour cela que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dès que tu as la connaissance, pas seulement la connaissance, la révélation de la connaissance de sa parole sur n'importe quel sujet, et tu as la conviction, il y a des miracles qui va se quand vous allez na kofumbo ni sama likolo ya liloba ya nzambe boyebi yeba ete bikamwa eza na chwate ko salema car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous qui croient, les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile nous a révélé en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Écoute ça. Rien que par la foi. Verset 17. Rien que par la foi. Comme il est écrit dans l'Écriture, les justes vivra grâce à la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean verset 17. Verset 17. Lis pour moi.
Version anglais facile, versets 16 et 17. Verset 16. Je n'ai pas honte de parler aux gens de la bonne nouvelle. Merci. Dieu utilise cette bonne nouvelle pour montrer sa grande puissance. Sa grande puissance. Il l'utilise pour sauver tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Il utilise cet évangile, la bonne nouvelle, pour sauver tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Ce qui ont limité au commun et le côté. Si tu ne crois pas, tu ne vivras rien. Voilà pourquoi même Jésus lui-même en personne, dans sa village natal, il n'arrive pas à faire de grandes choses, des miracles, des signes et des prodiges à cause de leur incrédulité. Talatina Yesu yemo konsambe na mobimba kati na bato na mboka na yako kiko sala bikamu ate pwete bato wana bazalanga kikotima. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même dans sa parole, crois en Dieu, mais crois aussi à son serviteur. Talatina na makomi alobi ndimela nsambe kasi ndima pe mosali oyo ye ati. Parce que si tu ne crois pas, soko ndimi ete, tu verras de lui. Okomona elokote. La foi est obligatoire. La foi c'est un facteur principal dans notre marche chrétienne. Et voilà pourquoi dans ces derniers temps, le diable est en train de combattre notre foi avec de mauvaises nouvelles, des scandales sur l'église, les pasteurs, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des jets sataniques. Voilà pourquoi tu dois être sage en tant qu'un enfant de Dieu. On a écrit des choses sur moi et les PD là qui étaient ici, qui sont ici à ce culte là. Des bêtises. Mais on l'a vu comment le Saint-Esprit l'a tabassé ici. Même enseignant, les sangs. Non, tout ça c'est montage. Non. Ça c'est tout montage. Non. Mais c'était que tu dois attendre à ce dernier jour. On voulait scandaliser le nom de Jésus. Ne sois pas même choqué que quelqu'un qui est tout proche d'un homme de Dieu va rébeller contre lui et dit des choses, des mensonges. Tout ça c'est l'œuvre satanique, stratégie de Satan pour refroidir la foi des chrétiens dans ces derniers temps. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand je serai de retour, trouvera-t-il la foi sous la terre? Pourquoi il a dit ça? Parce il y a des choses qui vont se passer, qui vont affecter la foi des gens. En tant que chrétien, ne te laissez pas affecter négativement avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je bénis Dieu lui-même a dit, je n'ai jamais rencontré cet homme de Dieu. Je parle seulement avec son assistant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Pourquoi? Parce que la foi est la clé principale pour expérimenter des guérisons, des miracles, des prodiges, des changements, même transport, même ton salut, la foi. Alléluia. Amen. L'évangile et la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Et cet évangile nous a été révélé. En quoi consiste la justice que Dieu accorde? Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est écrit, le juste vivra grâce à la foi. La parole de Dieu nous dit que nous allons vivre par la foi, surtout dans ces derniers temps. Amen. Amen. Maintenant, il y a un autre virus qui sort. C'est sorti déjà, variance, ce qui variance. Qu'est-ce que tu vas faire?
on va plus inspirer, respirer et aspirer. Parce que ce sont des virus qui sont dans les airs. C'est le temps que nous avons besoin de marcher par la foi, pas parce que on voit, pas parce que on dit. Ce que l'on dit média, si tu te fies aux médias, tu vas cacher ta foi. Voilà pourquoi, avant la première confinement, je suis venu ici un certain dimanche. Je dis, dis à votre voisin, n'ayez pas peur. Là où il y a la foi, il n'y a pas de peur. Là où il y a la paix, il n'y a pas de foi. Les deux ne marchent pas ensemble. Les deux ne sont pas des amis. La médiatisation dans notre jour aujourd'hui va te transmettre la peur, mais la parole de Dieu va te transmettre la foi, parce que la foi vient parce que même si tu passes chez un médecin, il te donne des rapports négatifs, n'aie pas peur. Va dans la parole de Dieu. Et là, tu vas trouver la foi. Et qu'il te soit fait selon tu as. Combien de fois on m'a prophétisé, je vais mourir. Mais je suis encore là, 22 ans. Pas encore là, mais vivant. Un bon enfant. Alléluia. Amen. Tu viens de courir ce matin. Des kilomètres. Même ma femme va te dire que j'ai la force. Alléluia. Amen. Qui te soit fait selon. Et si c'est ça, on doit savoir la révélation de la foi. Parce que nyonso est lié na kondima na yo, pas kondima ya moi sina mobali papa, non ya yo. La parole de Dieu dit ceci: tu te seras fait proportionnellement à ta propre. Il n'y a aucun place, Jésus a dit, à aucun jeu, qui te soit fait selon ma foi. Non, toujours selon ta foi. Au côté de la Bible, il m'a dit tu as reçu qui sont comme des cicatrices sur ma cielobi. Et ça, la maintenant, le négatif est sous l'intimité. Deux aveugles sont venus les chercher pour la guérison. Il dit, est-ce que vous croyez que je peux faire ceci? Batoni balé bambona katé bayaki koku tela na ye batuni ye Yesu plutôt tuni bawa lobi. Est-ce que mon dimi n'a pas ça la wakabo yolingi? Si tu crois seulement. Ce qui kaka utile. Votre miracle sera libéré ce matin même. Alléluia. Version les livres. Car je ne rougis pas de cette bonne nouvelle concernant le Christ. C'est la solution efficace que Dieu a adoptée pour sauver tous. Oh. La solution, l'évangile est la solution efficace pour sauver tous. Sango malamu ezali oyo tosoluka po ete topika. Oyoki. Solution efficace. Oyo tosoluka ya makasi pour sauver tout le monde. Kwa bien ki sa moto nyoso. Continue. Car je ne rougis pas de cette bonne nouvelle concernant le Christ. C'est la solution efficace que Dieu a adoptée pour sauver tous ceux qui croient à cette bonne nouvelle. Pour sauver tous ceux qui croient à cette bonne nouvelle. Pointe ebi ki sabato nyoso bazon libela sango mala. Soki on dimi okoza la sauver. Si tu crois tu seras sauvé. On dimi okopika. Tu crois tu seras guéri. Alléluia. Amen. Konimi. Rien que la foi. Ce message
a tout d'abord été prêché seulement aux Juifs. Mais maintenant, il est pour tous. Et tout le monde est invité à venir à Dieu. Verset 17. Cette bonne nouvelle nous dit que Dieu nous rend justes à ses yeux. Lorsque nous mettons notre confiance et notre confiance en lui. Pour qu'il nous sauve du commencement à la fin. Cela s'accomplit par la foi. Voilà. Comme il est dit dans les Écritures, l'homme qui trouve la vie la trouvera en faisant confiance à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire la foi. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est la garantie. La foi, c'est la conviction. Écoute la définition de la foi encore. Fondation d'Herbie. Hébreux 11:1, je lis. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Partie B est la conviction de celles qu'on ne voit pas. La foi est la conviction. La conviction. Répétez après moi, la foi c'est la conviction. La foi c'est la conviction. De celles qu'on ne voit pas. Encore, la foi c'est la conviction. De celles qu'on ne voit pas. Encore, la foi c'est la conviction. De celles qu'on ne voit pas. La foi c'est la conviction. De celles qu'on ne voit pas. Répétez encore, la foi. À haute voix, la foi c'est la conviction. De celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu. Mais tu es convaincu. Et la conviction, ça se trouve où? Dans le cœur. La foi est localisée où? Dans le cœur. Du cœur, on croit. C'est ce que la parole de Dieu a dit dans Romains chapitre 10. Verset 9. Du cœur, on croit à la justice. Lis pour moi. Romains 10. Alléluia. So, la conviction est localisée dans nos cœurs. Et la foi, c'est la conviction. De celle qu'on ne voit pas encore. Tu n'as pas encore vu. Mais tu es convaincu dans ton cœur que c'est déjà là. Et si ça wana. La dame là qui coulait le sang pendant 12 ans, 13 ans, 12 ans. La femme de perte de sang. Perte de sang, pendant combien de années? 12 ans. Merci, 12 ans. 12 ans, écoute. Jésus est là. Mais Jésus elle Zawana. Disait, dans, je lis ça cette nuit ici, elle disait dans son cœur. Dans Matthieu chapitre 9, elle disait dans son cœur, si seulement je touche les bords de son vêtement, je serai guéri. On appelle ça quoi? La conviction. Avant de venir toucher les bords de son vêtement, elle a été déjà convaincue. La seule chose qui me reste, dès que je touche, moi, je serai guéri. C'est ce qu'on appelle la conviction de ce qu'on ne voit pas encore. Dès qu'elle a touché, la puissance est coulée en elle. Et à l'immédiat, elle était guérie. N'attends pas les lots. Ozo pika kaka sikoyo. N'alobi ozo pika kaka sikoyo. Et Moussala évangile les amis. Quel est le travail la mission de l'évangile, c'est de impacter, contaminer avec cette conviction qu'on appelle la foi. Romains 10, lis. Romains 10, 10, version d'Arbi, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car du cœur on croit à justice. Voilà. Et de la bouche, on fait confession à salut. Ok. Du cœur, on croit. La foi est localisée où? Voilà pourquoi tu dois nourrir ton cœur avec la parole de Dieu, qui est le fabricateur de la foi, qui est
est le fabricateur de la conviction. La foi vient parce que Romains 10, 17, n'est-ce pas? La foi vient parce que on entend. Voilà pourquoi chaque jour nous sommes condamnés de communier dans la parole. Et dès que tu communies dans la parole, la foi continue. La foi monte. Voilà pourquoi quand on prêche l'évangile, la foi des gens, leur conviction est boostée. Et dès que leur conviction est boostée, c'est le miracle. Et ça dit qu'à moi. Et pour cela, il a dit, l'évangile et la puissance de Dieu au salut à quiconque croit. Conviction. C'est cette foi que nous appelons la conviction. De croire à ce que la chose a déjà été accomplie avant même que tu le constates. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est la conviction de celle qu'on ne voit pas. La conviction de celle qu'on ne voit pas. So, en résumé, la foi, c'est quoi? La conviction. Dès que tu es convaincu que ton statut est changé de célibat, c'est fini. C'est ta voix qui va transformer ta destinée. Parce que tout va répondre seulement à ta foi. La guérison, salut, transformation, prospérité, tout est lié à notre foi. Et l'autre bomi, bayaya, batata, ba maman. Ce qui est demi que kobumayote et kobumayote. La chose qui a tué de près de ses sœurs, si tu crois que cela ne peut pas te tuer, tu vivras ainsi. Quand on a une conviction, on a une conviction. Et on a une découverte dans la carte. Par exemple, c'est l'homme qui que je suis un esprit. Parce que mon père, Dieu, est esprit. Moi aussi qui est né de lui, je suis un esprit. Il y a des choses et comme il a qu'un esprit. En tant qu'esprit, na lobby et loko et koko comme il a gagné. Amen. Oh, et comme il est bango na famille et koko il a gagné. Ngali sous naza appartenir na famille ou anate selon la chair. Naza appartenir la famille de Dieu selon l'esprit. Osali sous tu as liboté ou anate. O continue à liboté en zambé et qu'on a mis sa babolimo. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la révélation de la parole de Dieu qui va booster ta foi. Et ça dit, bon, c'est le balan zambé de matisa kotima. Alléluia. Amen. Ils vont juste être constatés différents que les autres. Qui comprend ce que nous disons? Amen. Amen. Parce que monsieur Salomé, la foi vient lorsque on écoute prêcher l'évangile. Tanga papa. Romains 10, verset 10, version Lingala Mukanda Nabomo. Pambate. Kondima oyo ekomisaka bato sembo ewutaka na motema. Pe litatoli oyo ebikisaka bato ebimaka nde na monoko. Comment dit? Litatoli ebikisa, c'est-à-dire après savoir croire, ça c'est un autre parti, un exact message pour me koko sanga un mois. Il faut savoir que il faut tatola oyo ondimi. La parole de Dieu dit parce que je crois, c'est pour cela que je parle. Selon ma croyance. Parce que nous croyons, c'est pour cela. Nous parlons. Selon ce que nous croyons. Alléluia. Et le condimi, il faut le bayango. Tu dois confesser la chose que tu as cru. Nandimi qui n'a pas cause la pauvreté. Amen. Et ça trop tard. Et nandimi yango. Alléluia.
depuis des années, mais aux autres, on a un il y a des gens ici, qui sont au mais ils ont un petit alléluia. Voilà. Amen. Parce que je crois, c'est là, j'ai pas. La foi ne regarde pas. La foi ne voit pas, ne respecte pas, ne considère pas ce qu'il voit, soit ce qu'il sent. Kondima eto sakati o misse zomona tope azako yoka. La foi marche par la conviction personnelle. Kondima etambo la kana kondima ya yomoko. La foi c'est la conviction de celle que on ne voit pas. Nanu monate mi. Osa convaincu que Esi Salama. Osa convaincu que Ezawan. Et Zelan Gonga. A tout le monde, le contraire. Le contraire, wana est bougé. Et pas que ça y est. Ça va arriver. Ça va arriver. Et qu'on salema. Alléluia. Hébreux 11, verset 2 à l'objet. Car c'est par elle, c'est-à-dire c'est par la foi. Que les anciens ont reçu le témoignage. Alléluia. Par la foi. Nanzela ya kondima. Nde mapa kabazwa kilitatoli. Papa, permettez au tangi Romains 10, verset 17. Donc la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Voilà. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre de Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa vérité. Sa parole. S'appuie sur sa parole. Ou on a déjà suscité la foi. Il y a un bon qui s'appuie et ça, où il va dire le colo et il y a un zambé. Et les justes vivra pas. Ça dit, les justes vivra pas sa conviction. Et moi, il y a un bon qui s'appuie et il y a un bon. Ok, il y a un Matthieu chapitre 9. Pourtant, la histoire est maman, on a perdu son. Mais à l'obi, il y a beaucoup à tatoler. Na yemike. Dès que na simi soke la malin. Dès que je toucherai les bords de la parole de Dieu dit qu'elle disait. C'est-à-dire qu'elle répétait à tout. Elle disait. C'est-à-dire qu'à l'obi une fois. Elle répétait. Elle disait dans son cœur. Dès que na simi soke. Voilà na simi soke là-bas. Je serai gay. Elle a conclu déjà dans son cœur sa guérison avant que tu accomplis ma pémenia Yesu. Asi azwa ki a yelo biko ya boa kusa na pe ya simba. Nani azo comprend ma kam tuzo? Qui comprend ce que nous parlons? Tu sais que tu peux assurer ton avenir par ta foi. O koki ko bongi sa lobi na yo na zele ya kotima. Par exemple, je suis ici na zote ya bino. Mais yeba ke eloko na zote ya yamune na zo appliquer. Na leki na ba épreuve bambino ebele boyeli na leki na ba épreuve ya dege a dege menaza. Amen. Naza. Je suis mais parce que souvent leki na épreuve o naza na ba yose kufa yose mais naza c'est quoi la différence la foi ni ne sali bo keseni oyo ezali kondima. Alléluia. Amen. Alléluia. Ma muzuzu na moni ezengi nazo abisakana ngai na kini na zonga. D'autres histoires que j'ai vécues, je devais retourner chez moi. Alléluia. Par menace. De menace. Par pétio massasse. Yo mon gozo yoka papa. Mais ici, biote. Pino yon so misatu. Et ton boki. Kabino, et so tanga. Nase. Na yoki mon gomo elo. Kote le mate kende. Et ta reine. Par pétio. Par visé mou kongo nanga. Ils ont ciblé. On va trouver deux balles dans le réservoir d'essence. Moutouka électronique, c'est que les pèles à moto. Moutou qui n'a pas massacre. Mais je suis encore là. Alléluia. Campagne. Na même ici, bazo tina un message dans Tongo 7. Ce qui est au télévis, on a oublié le mandat au bêta au massacre. Les lots. Banana, on a mis sur la camp. Ah, camp colo. Bah, ici, là, qui papa, tout le monde est soudain pour aller pour péter au massage. Et le programme est au salaire à 16h.
Naye. Loba aye. Aye. Abangite. Si je vais mourir pour Jésus, prêtez mort. Mais je sais qu'il est la vie, il n'est pas la mort. Je suis encore vivant aujourd'hui. Osana événement mon ennemi au départ après baso comme il a eu bah comme lui au ébat bengi yo bah l'obé que tu obé taio massage bah na mususu baye bah na nazo baza vivant baza na chine lelo baza papa na bangwa za colonel soda mon soda me parle de tu obé ta ta na mon massage mais avant donc il me tu mususu mina lenga mina suba. Là où il y a Dieu, la paix est exclue. Et ce qui est le de Moussikana Zambé, si tu veux avancer, on va menacer ta foi. Y a des situations qui viendront pour menacer ta foi. Viennent au côté de moi. Alors, restez debout dans la foi. Si tu es à côté de moi, je suis à côté. Alléluia. Comme on a rassemblé pour nous, on vient de prier pour toi. Après, ayez le sous ma casse pire. Mais si tu as la foi, tu sais que je ne peux pas regarder ça. Je ne peux plus considérer ça. Abraham refusait, il a refusé de considérer que son corps est mort, ni de sa femme. Il a refusé. Abraham a boyé qui connaît ma tête de la parole de Dieu nous a dit ce que tu refuses, Dieu refuse. Il a dit oh yo boyé ce que tu dis non, Dieu dit non. Oh yo boyé ça va l'obité. Ce que tu acceptes, Dieu accepte. Oh yo boyé on dit mais ça me dit ni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 9. Na Luca kita na parti à verset 17 quoi. Est-ce que vous pouvez pas parler de la macabre? La foi, c'est la conviction, la foi, c'est la conviction de ce qu'on espère, de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est la conviction de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Béthéla Yesu Mabok Makas. Kondima. À partir de verset 20, toujours tanga. Matthieu 9, verset 20, version d'Arbi. Et voici. Chapitre 9, verset 20. Oui. Et voici une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Oui. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Uh-huh. Verset 21. Écoute, verset 21. Car elle disait en elle-même uh-huh. Si seulement je touche. Écoute. Car elle disait là, Eza balamoko ou ben balanambala. Lelo, gaina y lelo. Lelo et lelo. Lelo et lelo. Lelo. Aujourd'hui. Sokina Sindi et ba foule baza. Il y avait la foule. Il faut pénétrer ma foule. Elle devait percer la foule. Assez à suivre décision déjà. Elle était déjà décidée. Asa déjà la conviction. Elle avait la conviction. La seule chose qui me reste. Et le coca quoi est cassé. Elle dit comme il est là. Tatawana, Nayoki Samona, Yeshua. J'ai entendu parler de ce soir. Son assimi son guerre de la manette. Si seulement je puis toucher. Nakobi Kamala. Je serai guéri. Écoute. Yo, 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 Luka, rendez-vous. Rendez-vous, il y a religion, toujours ça. Ce sont des religions, toujours ça. Oui, c'est la religion. Parfois, on a un exemple dans la pamba. Oye, bâtir, ou ma boucle, ou tissu qui n'a eu lien, et loup, ou salé, ma tissu, ou salé, 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 ou Tu n'as pas de foi. Tu n'as pas de conviction. La femme
femme, on n'a pas touché la femme. Jésus n'a pas de rendez-vous avec la femme. Jésus ne sait rien. Mais la femme dit, si seulement je peux toucher les bords de son vêtement, elle serait guérie. Elle venait à Sibi. Elle a pu toucher. Jésus a senti qu'il faut sortir de lui. Qui m'a touché ici? Nani a Sibinga Yahweh? Qui m'a touché? Nani a Sibinga? Qui? Nani? N'attends pas les lois, qui va toucher? Amen. Quand on a place au bagne, on va toucher. Qui m'a touché ici? Nani a Sibinga Yahweh? Les disciples ont dit, mais il y a beaucoup de monde ici. Bato basadi ou ebele? Il y a des multitudes. Bato matoni ebele? Non. J'ai dit quelqu'un m'a touché. Il regarde Jésus comment c'est comme il. J'ai dit quelqu'un m'a touché. Maître, est-ce qu'il y a Béli Moutoute? Mais j'ai dit quelqu'un m'a touché. Parce que je sens la puissance est sortie. Et Bibi. Nandela ya kondima mamana. A Béli Gouya. Amen. Yopé au coco Benda Gouya na tombale. Nalobi au coco Benda Gouya na tombale. Elle disait. Abanda ki koloba. Si je touche, soki na simbi je serai guéri. C'est ce qu'on appelle la foi. Yamone to bengi kondima. C'est ce qu'on appelle la conviction. Onde to bengi elikia. C'est ce qu'on appelle l'assurance. Onde to bengi kotie la motema. Et dès que Jésus a senti dans mon yeso que la puissance est sortie de lui, Jésus a dit, yeso alobi, qui m'a touché? Nani a simi. Et la femme s'est identifiée, c'est moi. Moi si alobi est Jésus tali. L'a regardé. Yeso tali. Femme. Voici. Femme. Voici. Frère. Voici. Jeune homme. Jeune fille, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. C'est pour dire, femme, voici ta conviction t'a guéri. Dès que tu es convaincu dans ton cœur, Second et bandit qu'on compte expiration yambasu. Personne qu'on a au monde espace et kaoki. Amen. Voilà pourquoi quand il a maudit le figuier, et l'endommain de retour, Pierre s'est étonné. Maître, cette figuier que tu as maudit hier, c'est toi laquelle qui l'a séché et kaoki. Jésus l'a regardé. Il est sorti. Ayez foi en Dieu. Regarde réponse. Ayez foi en. Si quelqu'un dit à cette main, il ne doute pas dans son cœur. Mais qu'il croit que ce qu'il a dit va arriver. Tu auras tout ce que tu vas dire. La foi. C'est quoi? La conviction absolue. Dès que tu es convaincu que ton statut est changé maintenant, d'un chemin à quelqu'un qui travaille, tout va changer. Qui te soit fait selon tu es convaincu. Et ça, les mélanges, votre responsabilité personnelle maintenant, c'est de booster cette conviction. Et mon kumba ya yomoko ezali omatisa elikiawana. Tu sais que je vais faire un examen ici sur place. Je fais appel à certains gens. Par exemple, mon fils Bokile, je peux dire, viens ici. Je fais appel à Papa Walelo, par exemple. Je vais faire appel à notre. Il est des mamans là-bas, des vieilles mamans. Ok? Viens monter ici à la chaîne. Et après, je dis, descends. Kita. Par toute voie que tu voulais. Nanzela nyo soyo lingyo ko kite la. Bokile. Bokile. Ben dit, ok. Ou bien je vais dire,
descends par toute voie qui est tout près de là où tu es. Bon, qu'il peut descendre ici. Parce qu'il est convaincu qu'il peut sortir d'ici, là-bas. Mais il y a des moments là, il ne va pas oser. Il va aller là-bas et suivre l'escalier. Soki ekomi na ngonga ya kozonga ndeko mokili akokita wa kweta kokoka kasi mpona ba mama akolanda nzela oyo lokola papa pe akokita awa oto mosusu akolinga kozwa risque wana te pour descendre ici kweto kita awa ça dépend de ma propre conviction eza kotalela kaka ndenge yo moko ondimi. Nani asosoli kondima? Amen. Qui a compris la foi? Nani a sosoli koni? Qui a compris la foi? Conviction na yo et kuko transformer destinée na. Ta conviction peut transformer ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qui te soit fait selon ta conviction. Et ça la bela yo pour la bisama oyo yo soli. Matthieu chapitre 9 verset à partir de verset 20. Oui. Version message. Juste à ce moment-là, une femme qui avait une hémorragie pendant 12 ans voilà. S'est glissa par derrière. Mais non, tu voulais me dire que c'est une coïncidence que ce jour-là, elle était guérie? Non. Quelqu'un qui souffre pendant combien de temps? 12 ans. Si on va dans notre version de Luc et Marc, la parole de Dieu nous avait dit, elle a bien dépensé tout son argent chez le médecin. Assisi, pauvre, ce n'est pas un médecin. A comme pauvre. Ce qui toque dans l'évangile, c'est pour dire, même si quand tu passes chez le médecin sans la foi, c'est pour dire que tu peux aller chez le médecin, mais ceux qui ont ça qui continuent, il est bien que le nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Malobi. Nous fait que soignons les gens. Mais c'est Dieu qui. Ils sont au père Sakakissi. Voilà pourquoi même maladie, même médecin, même comprimé, hein? Mais même hôpital, mais résultat différent. Lui est guéri, l'autre est mort. Dans la ville commune, hôpital moko munganga moko kisi moko, mais moko abiki mosusu akufi. Mando sopro sakata ya takapa ya nemene. Hallelujah. Tanga. Elle avait une hémorragie pendant 12 ans. Oui. Et s'est glissa par derrière et toucha légèrement sa robe. Voilà. Elle pensait en elle-même, si je peux juste mettre un doigt sur sa robe, je serai guéri. Ah. Jésus se retourna et l'attrapa. Alors il le rassura en disant, courage ma fille. Tu as pris le risque de la foi. Oh! Maintenant, tu vas bien. Ha! Maintenant, tu vas bien. Siko yo sali malamu. Ça, ça y est. Kaka siko. Hey! Et voici une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. 21. Car elle disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. 22. Et Jésus s'étant retourné et l'ayant vu, et la voyant, dit, aie bon courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et la femme fut guérie de cette haie à l'instant, à l'immédiat. Nani andimi ki azo bika sikoyo. Nani andimi ki Yesu a bon wanite. Nani andimi ki il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok, Nana Ndimi, qu'il confirme la parole de son serviteur, il accomplit ce que prédit son envoyé. Naligo Telemana place, Zali. Mambo Shalabaya Tagaba. Ayaneme Kedegedebe. O Shika Palagato Mokosoto Boriala. C'est la foi. Et c'est la foi. Kodima. Et la foi, c'est la conviction. Kodimeza Kodikia. La foi, c'est la conviction. Kodimeza Kodikia. Ika Palatabaya Tege. Là où il y a la conviction, conviction. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de plan B. Alléluia. Et si quelqu'un dit qu'il y a qu'on dit mes amis, le lendemain à côté la macabre, le lendemain vous êtes sur la carte et le répétez. Ma sondo boche negeli mamura ba chantala mayati. Amen. Thank you Jesus.
Lève-toi, sois guéri. Au nom de Jésus, que la foi s'élève dans ton cœur. Lève-toi, sois guéri. Au nom de Jésus, il t'est touché et t'a franchi. Lève-toi, lève-toi, sois guéri. Au nom de Jésus, que la foi s'élève dans ton cœur. Lève-toi, sois guéri. Au nom de Jésus, il t'est touché et t'a franchi. Lève-toi, lève-toi, sois guéri. Au nom de Jésus, que la foi s'élève dans ton cœur. Lève-toi, sois guéri. Au nom de Jésus, il t'est touché et t'a franchi. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Impose ta main partout. Soit au moni, aux anapasi, aux opéla. Soit tu as une douleur ou tu es malade. Il a dit dans sa parole, on imposait les mains sur les malades, ils seront guéris. Tes mains deviennent extension de main de Jésus Christ. Parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. Oh yes, imposez ma boko na yo. Impose de main. Ikalama shantolo boko shike pelegeto. Alega poromo santo poko shika palagato. Quelque chose se passe. Il a seulement dit, on impose les mains aux malades. Ils, ce qui va suivre, ils seront guéris. Alobi kaka ba jela maboko no loboko bakobika. Edo. Yamibale. Il confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédit son envoyé. Oh yes. Impose ma boue. Tikaga ma boue. J'ordonne un miracle créatif à l'instant. Yes. J'ordonne un miracle créatif maintenant. Saint-Esprit de Dieu, agis dans ces lieux. Oh yes. Ikalaba chanto. Même si ton cas, ce n'est pas la guérison. Ton cas peut être le mariage. Ton cas peut être le travail. Dieu est plus que capable. Oh yes. Le temps de témoignage. Pétela Yesu Maboko Makasi. Papa, ba maman na biso ba yeko pesa Nzambe merci. Bazana kandenge moko balobi ba yaki pela ba vertige awa. Na tongo ya lelo, ça fait plusieurs jours banaki ko sala bango. Mais lorsque papa a dit ici parole de connaissance, alobi ozawa ozana oyokaka ba vertige. Maman moko ozawa. Y a une dame ici. Ozana problème ya vertige. Tu as un problème de vertige. Vertige ezwa kayo pambo pa. Tu as souvent des vertiges. Mon Dieu t'a localisé. Et j'annonce et je prononce, tu es guéri ce matin. Dans vos paroles, on est bimbi, ma maman va se sentir très à l'aise, va vertige ici. Il y a moi là-bas, pour pas vous l'amener à la table, mettez la yé sur ma boko ma case.
Sope a écopé Santa de merci à Lobi, à Zalaki, ça fait au moins pratiquement 7 mois à Banaki Koyoka, étouffement à partir à Sénéa en Atourat. Alobi, à Yakipé n'a pas su wana, à Kenyakipé pour consulter ma médecin pour ma cobele bakis, mais solution est à la quitter. Mais les lotes envoyées dans la culte, tant que papa dans ça la déclaration, maman Alobi, étouffement wana, nyonso et le goué, pas si wana y a voté ma et disparaît, y a wana y a pour pas pour l'amener dans sa mère, mais de la yé sous ma boko bakas. Maman n'a dit sopé, Alobi, ça fait plusieurs jours à Zalaki n'a pas si côté à droite n'a eu à Wanassi. Alobi, à Yakipé n'a pas si wana, kaka n'intérêt à Kondima. Alobi, n'a batanga wana dinanga, batanga ya mote, gana kozo alobi konanga. Maman, tomoni, maman Zalaki n'a balko, lorsque papa a dit ici parole de connaissance, n'a déclaré au Pikisami au Kangola. J'ai délivré et guéri. Passe na tolo. Douleur sur la poitrine. Na partie côté droit. Du côté droit. Ici. Zamenanga abekisi. Mon Dieu t'a guéri. Alobi a senti mot de bandit na ma colémati et quoi qui est malavant en assez. Neti a été se retrouver le bonsoir. Mais tant où à la mouki a retrouvé conscience na Alobi, pas sous wana yaki nango, nyon se disparaît. Y'a moi n'a été pas pour la mouna na table. Maman a bissou aïe copé sans jamais merci à l'obi. Bazala qui n'a champion. Champion, fièvre makasi à son sans. A l'obi n'a pas de l'obi, moi n'a pas de fièvre en makasi. Mais à l'obi, tant que tu commis un moment, papa dit à l'obi, si papa sozo yo capace. Maman a bissou à l'obi, a zui a imposé moi dans le boko. A l'obi, tant que kaka l'ongoli le boko, fièvre moi n'a pas de yoka. Ce qui est aux gens qui ont aussi beaucoup de fièvre et salut société, dès que champion Zaboué, à Bikisami, Yango Mama, Aïko Pessa Zabé, merci. Tu peux te lier sur la Sia, ma boko maka. La qui sa voisin, dès que ma bête, la Yes Massia Tchébé. La qui sa voisin, dès que ma bête, la Yes Massia, ma boko. Alléluia. Maman a dit soit Aïko Pessa Zabé, merci. Nani ayoki papa lobi mutuma koza osoyo kaka ba vertige je n'ai pas de connaissance wana te soko yoki ako soko yoki te kotombo na nani ayoki ako mama lobi atungisa mi na ba vertige za la soko atere ni osoko kwa santi ya ngakoye mais alobi tangwa yele lo papa lobi mutuma koza wa oyoka kaka ba vertige mama mokoza ya yinda ici oza na problème ya vertige tu as un problème de vertige. Vertige Jésus Akayo Pangupa. Tu as souvent des vertiges. Zamenanga mon Dieu t'a localisé. Et j'annonce et je prononce, tu es guéri ce matin. Maman place à Zalaki Alobi, Oyo et Zayangai. Alobi, tant que Kaka Lomawane Sili, Aluka ma vertige wana yo kaka. A sati ma sensation wana yo kaka et Zali Susude, Dengi Azaboy. Attendez ma vertige et Zali Susude, Yahweh Kobete la Yoko Kumisamine Azambe, Bete la Yesu Masia. Continuez, copete la Yesu Masia, ma boko makas. Maman n'a pas eu copé sans abé merci. Alobi, il y a longtemps, à Salaki, à Trébicha, qui m'a mouqué, à Zoki Choc. Abané, vous ne pouvez même pas pour tambour la bien, c'est ça, non, maman. Alobi, tant que vous avez eu le lot, na choc ou an, à de quoi pour tambour la terre. Mais tant que papa Alobi a imposé ma boko bisco zoyo kapas. Maman Lobi a su le bon pour imposer la loi pour le à Trébichat Wana. A Lobi, douleur n'y a pas de bataille pour Yoka. Et ça lui soussouté, dès qu'il y a Zaboué, à ce temps-là normal, Yabo Lobi n'a qu'au vent d'athé. Il faut n'appeler sans abé merci, n'a pas eu au salé l'ingaï. Tombe la bête à copé sa Yesu Masia, bête la Yesu Masia, ma boko makas. La qui sa voisin, dès qu'il y a bête la ka Yesu Masia, ma boko. Oyebi, ma témoignage après ma question au côté par mon bongo. Une fois que l'hôpital a dépassé bongo, mais Zamba Sali Ango Kaka Aboye. Alléluia. Est-ce que vous mettez la Yesu Masia sur ma bongo matas? Nanya Yoki, Mosana Zamba Lobi, Oyoka Kabilo, et Tambola Bona Lebu. Nanya Yoki, parole de connaissance. Maman Lobi, Zaye. Alobi,
ayoka kabilo kwezo tambole na libumu. Alobi tango ayepe na kita lelo, abane konsanti ba sensation wana. Azo mouna bilo kwezo tambole na libumu. Metan kou mousa la tamba lumi si parole de connaissance wana alobi, osawa, oyoka kabilo kwe tambo la kona libumu. Mama alobi, tango kaka malbawane ebimi, a impose lo kwa kona libumu wana, alobi bilo, sensation wana ayokaka. Bilo kwa kwezo tambole na libumu, asanti denge azabwe. Kimia e koti na libumu. Ate fe mokote, ya bilo kwezo tambole ezali, ya kwa kope sanzame merci, tobete liye sumasiya, mapoko maka. Continuez kopete na yesu masiya mapoko. Lakisa voisin denge mapete la ka yesu masiya mapoko. Alleluia. Ba yebaka mosali anzambe a solo soki azolo balika mwezo kokisama. Alléluia. Et le point de salaki, il va les abandonner, il m'appelle Moïse, parce que tout ce que vous avez déclaré, il va être au Salema. Alléluia. Et maman a dit son père Lobi, Agnio Kwami n'a pas. Agnio Kwami a pour la tête, paix mes autres, et souffle mes autres, tout ça y est. N'en a qui parole de connaissance, voilà. Maman a dit son Lobi, et ça y est. A Lobi, paix ma quoi, paix ma tête. Mais tant vous voyez les lots, Ayoki Moussa Nazaba Lobi, Moutou Moko Zawa. On a un problème de souffle, mais on va respirer bien. Maman, je vais placer dans la salle qui est en train de se faire. Alors, tant que je vais me faire, je vais me faire un peu de travail. Et je vais me faire un peu de travail. A comme je respire normalement, je vais me faire un peu de travail. Et je vais me faire un peu de travail. Je vais me faire un peu de travail. Je vais me faire un peu de travail. Continuez à me faire un peu de travail. Maman a dit que il y a douleur généralisée. A lobi, plus parole de connaissance au Edimaki et l'autre sont tambourin et le bourreau. Maman a dit ça, elle s'est sentie très à l'aise, à sa guérie, à Bouana, à Epo, pas pour la mounaï, à sa bébé, à la Yesu, ma boko, ma casse. Maman a dit ça, elle 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 a dit alobi passe wana soke bali e bandaka ye e salaka ye lokola grand tina lokolo ayaki nango tangu papa alobi natanga maladi na yo natanga yango te ndeko mwasi asimba keska zo kapasi sikoyo a se senti très à l'aise aza soulagé passe wana ekeyi yango wana aye kopango na munene na nzambe petela Yesu maboko makasi. Mama na bisope ayaki na pasi na tolo na ye alobi pe ayaki na pasi kote parti droite na ye awa abanaki koyoka pasi alobi lelo meme na tonga tama kendaki na toilette tango ase soulagé alobi amoni basainement alobi abangaki te nako ndima nyonso ayaki na ngo kaka na culte awa après tango papa abimisi parole de connaissance ya mutu oyo aza na pasi na parti na kote droite awa alobi ye azalaki na pasi na tolo mais alobi andimi maloba wana alobi lokola abikisi muninga na parti ya droite awa ngai mpe nabikisami na pasi ya tolo ya bwana mama aye kopangula munene nzambe mpo bapasi wana nyonso ayaki nango esili nzambe akamboli ye betela Yesu maboko makasi. Ndeko na biso mpe aye kopangula munene nzambe alobi ayaki mpe na bavertige na ba douleur moko généralisé mais tant que papa lui dit parole de connaissance il y a pas trop le bassin à ma vertige parce que comme ma vertige maman a dit sauver à celle qui concernait si qu'on est que solo papa ma vertige n'a pas son union sowana et si il y a quoi n'est pas pour la mener à sa bé bête la yesu ma boko makasi. Maman a dit sopé à Zalaki na ma faiblesse, à Zalaki na ma douleur généralisée, à Yaki na mon atoma le loup. Mais tant que Akoti a analysé, tant que papa a dit ma déclaration, pas si wana, ma faiblesse, wana, ma laïko yoka, nyo soe disparaître, et ça va kamolier, ya wana, et papa, ou la mnana, ça va, bête la yesu, ma boko makasi. La kisa, voisin, l'engue, ma bête la kayesu, ma siya, ma boko makasi.
Betela Yesu Masia maboko makasi. Frère Nabiso, alobi mbalane liboso acha makolo na tape de signe de prodige. La qui sa voisine va betela ka Yesu Masia. Frère alobi a sali 3 ans à Esoma et tout qui sakaye. Alobi ça fait déjà et sali une semaine autour de la crise ka Esoma wala. Mais alobi ba invité na toko lelo. Aïe pena paswana, oye sali 3 ans. Mais, nazela mosali en zamba lobi, oza awa, ozo yoka pasi, na toko na yo, ne soma na yo, zamba bikisio. Frère alobi, ezam balane ya liboswa chama kono awa. Alobi, place avandagi, pasi wana ya 3 ans, loba 3 ans. Est-ce que vous mettez la Yesu Masia ma poko de bonheur? Alobi a côté na ngona hôpital a suivi ba traitement et si la caté mais tant wa yelelo a suivi lobi konaye alobi passe ba de koyoka ndenge a saboye passe ata moko te zali toule wana ya 3 ans et disparaître na mukolo moko ya bon frère alobi na kovanda boyete aye ko pesa nzambe merci bona wa yasali to pete Yesu Masia mapoko makasi. La qui sa voisin de Gébabete la caille sur la sienne à Boko Matas. Et c'est un abus au père Lobi, malgré que vous voyez Banatongo, à la qui n'a tout l'air de son manaï. A Lobi, et ça n'y est pas si Azo pour quand même pas pour ça les locaux. Si Azo y est, Mamazo y est, Mana tout l'air. Mais Moussan a jamais attelé à Lobi, vous avez aussi eu capacité. Imposer ma boko, mais si vous avez eu capacité. C'est un abus à Lobi, tant que imposer ma boko à Lugoli ma boko. Passe à Banek Koyoka, tous les wana et disparaître. Dégage à Boy, Ata et fait à passer mon poésaté, Yabalo bien pour vendre la beauté, Aïe Kopé sans arbre merci, Tobé Téli Yesu Masia, Mapoko Mata. Dégoulé Bissopé, Aïe Kopé, Molandène, Tabé, Alobi, à côté qui n'a pas de douleur, n'a pas ventre, et Banaki pour traverser, Tina Mokobo. Alobi, à Salaki Koutouana, à Banaki pour Kopako Sambénaté. Mais quand vous papa sali ba déclaration na tomba lelo a se senti très à l'aise ba douleur wana généralisé zaiki na na se a ba ventre na ye nyonse limwe yango na ko pa bola munene tambe betela Yesu maboko makasi betela Yesu maboko makasi.